Bah alors, Aiko, t'es prêt à tourner la vidéo? On va montrer aux gens comment on fait? Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment apprendre à votre chien à aller dans son panier. C'est parti! Alors tout d'abord, je tiens à dire que ce panier nous a été envoyé par Animaux Boutique. Donc merci énormément à eux. Et le 14 février, il y a un concours qui sera organisé sur mon Instagram où il y aura deux paniers à gagner. Apprendre à son chien à aller dans le panier, c'est vraiment quelque chose qui est super super utile. Par exemple, lors du dîner, vous allez pouvoir demander au chien à aller se coucher dans son panier et à rester calme. Pareil quand vous avez des invités à la maison ou lorsque vous faites le ménage. Apprendre à son chien à aller au panier, c'est pas si facile qu'on ne le pense. Ce tour comprend plusieurs choses. On a le fait d'aller au panier, on a le fait de se coucher dedans, le fait de rester dans le panier. Même s'il y a des choses qui l'intéressent en dehors du panier, il va devoir rester dedans. Et on va aussi lui apprendre à sortir de son panier avec un ordre vocal pour lui dire que c'est bon, c'est ok, il peut sortir. Donc ça c'est très très important de prendre en compte tout ça. Attention que ça ne peut pas être une punition pour le chien. S'il vous ennuie à table et que vous l'engueulez et vous lui demandez d'aller dans le panier, ça va pas du tout. Il faut vraiment que ce soit un jeu pour lui, qu'il aime aller dans le panier. Donc c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, on peut commencer avec la première étape. La première étape, ça va être de venir tapoter le panier avec notre main pour donner envie au chien d'aller dedans. Nico ? Yes, super. Dès que le chien s'intéresse au panier, même simplement le regarder, vous pouvez déjà récompenser. Yes, super. Yes. Il faut vraiment donner envie au chien d'aller dessus. Vous pouvez même l'appeler, faire des petits bruits. Yes. Quand le chien s'approche du panier, on va le récompenser. Vraiment, toute interaction avec le panier va être récompensée. Yes, super. Au début, même s'il met que les deux pattes dessus, c'est déjà super. Jusqu'à ce qu'il se mette après en entier dessus. Et là, vous faites une grosse récompense. D'accord. Yes. Yes, super ça, mon chien. Ensuite, vous lancez la friandise en dehors du panier pour qu'il puisse sortir. Et vous recommencez. Aiko, Aiko. Yes, super, bravo mon loup. Ok. Aiko. Yes, super, bravo. Vous pouvez même lancer des friandises dans le panier pour le récompenser. Sauf si le chien a peur du panier, alors là vous évitez. Ok. Pour cette deuxième étape, votre chien doit connaître le coucher. Si jamais il ne le connaît pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en description. Donc pareil, vous lui demandez d'aller dans le panier. Aiko. Ouais, coucher. Yes, super. Et on récompense. Donc au début, le chien ne va rester que quelques secondes. Donc vous récompensez bien. D'ailleurs, s'il reste, n'hésitez pas à récompenser plusieurs fois. Et puis, hop, on lui demande de sortir avec un ordre vocal. Donc moi, je dis ok. Ok. Et vous lancez une friandise en dehors. On recommence. Aiko, panier. Vous pouvez déjà donner le nom de l'ordre, donc panier ou dessus ou tout ce que vous voulez. Yes, super. On récompense. Ok. Et on le libère. Alors, vous voyez qu'il m'a directement proposé. Parce que Aiko est souvent conditionné pour les exercices. Donc il me le propose de lui-même. Ça c'est top. Si votre chien le fait de lui-même, n'hésitez pas à le récompenser. Ok. Le chien va comprendre à la fin que panier, ça veut dire aller vers le panier, se coucher et rester dedans. On va ensuite le faire rester dans le panier. Donc pour ça, je vais vous montrer. On récompense plusieurs fois à la suite. Pour le faire rester. Si le chien sort du panier alors que vous ne lui avez pas demandé, vous ne dites rien, vous ignorez complètement et vous le remettez dessus, vous recommencez l'exercice. Donc évidemment le chien saura qu'il n'est pas récompensé s'il sort de lui-même du panier, alors que s'il reste dedans, là il a plein de bonbons, il est vraiment récompensé. Donc ce que vous allez renforcer en fait, c'est le fait de rester sur le panier. Donc vous allez recommencer plusieurs fois à la suite pour que votre chien ne s'en aille pas. Vous pouvez reculer votre main et puis hop, récompenser. Ensuite, vous allez pouvoir même aussi vous lever. Donc tout doucement, vous vous levez et vous récompensez bien bas. Vous vous levez, on récompense. On récompense. On peut même commencer à reculer et on récompense.
Moi ici je le fais rapidement, mais tout ça c'est vraiment petit à petit en plusieurs jours. On recule et on récompense. On peut attendre quelques secondes et on vient récompenser. Donc ici on est venu ajouter de la durée sur ce comportement qui est le fait d'être dans son panier. Comme par exemple quand vous demandez au chien de rester assis, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser l'ordre reste, mais moi je préfère cette méthode-ci où le chien sait que tant que vous lui avez pas dit ok, il doit rester dans le panier. Ok, voilà, avec au panier. Yes, super. Petit à petit, quand vous avez mis de la distance, de la durée, etc., que le chien connaît vraiment parfaitement, vous allez pouvoir ajouter des petites distractions autour de lui et votre chien doit toujours rester dans son panier. Donc faites des choses du quotidien, comme aller dans une autre pièce, aller vous asseoir sur une chaise, enfin peu importe, faites des choses du quotidien tout en gardant un œil sur votre chien et en allant de temps en temps récompenser. Donc vous partez à l'autre bout de la pièce, vous faites comme d'habitude dans votre quotidien. Et votre chien doit rester à sa place et de temps en temps, vous vous levez et vous le récompensez. Petit à petit, toutes ces récompenses vont vraiment être espacées et votre chien donc sera resté par exemple une heure entière dans le panier. Voilà, faut vraiment faire progressivement et beaucoup renforcer en récompensant votre chien. Voilà, alors tout cet apprentissage, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Faut vraiment être patient, toujours y aller progressivement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si le chien bloque sur quelque chose, n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente. C'est que l'étape précédente n'a pas bien été compris ou n'a pas été assez travaillée. Je remercie encore Animaux Boutique de nous avoir permis de pouvoir faire cette vidéo avec leur panier. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez le commander. Et sinon, bah, y aura le concours qui aura lieu bientôt sur mon Instagram. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!